Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Antoinette Soumarou. Je suis mère de trois enfants. Je suis mariée. Donc, ce qui m'est arrivé là, je vais vous expliquer un peu. Et puis, vous allez m'assister beaucoup parce que mon français là, ce n'est pas trop bon. Je me débrouille seulement. Donc, mon mari sortait avec une fille. La fille s'appelle Christine Koulim. Elle faisait l'université à Kindia. Donc, moi aussi, j'étais logée à l'aéroport. Donc, mon mari quittait l'aéroport pour partir à Kindia derrière la fille. Lorsque mon mari va là-bas, la fille, elle prend le téléphone de mon mari, elle écrit les messages, elle m'envoie. Des fois, elle m'incite, elle m'envoie. Des fois, elle publie les photos de mon mari. Ils sont restés dedans. Moi, je ne savais pas. Mon mari, elle a pris la fille, elle l'a envoyée à Sigri, elle l'a logée là-bas. Lorsque elle l'a logée là-bas, la fille, elle a tombé enceinte. Moi, je ne savais pas, je ne connais même pas la fille, rien. Maintenant, un jour, la fille, elle s'est déplacée de Zikri jusqu'à l'aéroport, plus de 140 kilos pour venir à ma recherche. Lorsqu'elle est venue à Sigri, lorsqu'elle est venue à l'aéroport, elle m'a vue. Mais moi, je ne la connais pas. Elle a fait 3 jours là-bas, en train de me guetter. Quatrième jour, un dimanche à partir de 20 h, j'étais couché maintenant. La fille, elle est venue, elle a demandé ma petite sœur, une petite de 8 ans seulement. Elle dit, où est ta sœur? Où est ta grande sœur? Elle aussi dit que ma sœur, elle est couchée. Maintenant, elle dit à ma sœur, va l'appeler. Donc la petite, elle est venue m'appeler. Je suis sortie, mais je voulais me lever seulement. Elle aussi, elle a dépassé ma chair, elle est rentrée dans ma chambre. Donc directement, elle a jeté l'acide sur mon visage. Maintenant, moi aussi, je l'ai attrapé. Lorsque je l'ai attrapé, mon bébé était avec moi, mon bébé est tombé en terre. Elle aussi, elle a eu l'acide sur son dos. Un bébé de 6 mois. Maintenant, on s'est battu là-bas. Elle avait une couteau. Lorsque je l'ai attrapé, j'ai attrapé le couteau. Donc, on s'est battu là-bas jusqu'à nous sommes sortis au dehors. Lorsque nous sommes sortis, elle a fui. Le matin maintenant, les gens ont l'attrapé, on l'a envoyé à Sigri. Moi, ça trouvait maintenant que je suis parti à Conakry pour mon traitement. Lorsque je suis parti à Conakry, les docteurs m'ont envoyé, ils ont dit à mes parents que, sauf que je vais partir en Tunisie. Lorsque je suis parti en Tunisie, ils ont fait les opérations. Mais il y a une opération là-bas, c'est ce que les docteurs ont dit que si on fait ça, tu vas retrouver ta vision. Mais il n'y avait pas moyen pour ça. Donc, ils ont fait les opérations seulement. Moi aussi, je me suis retourné en Guinée. Lorsque je suis venu nouvellement, je me débrouillais un peu, je voyais un peu, je peux me déplacer un peu. Maintenant, à l'aile, là, tout s'est diminué. Donc, moi, lorsque je suis venu, je suis parti à la justice, je me suis présenté. Lorsque je suis parti, les procureurs m'ont dit, ah, viens tel jour. On va faire ton jugement. Lorsque je suis parti maintenant, le procureur m'a dit, le ministre de la Justice, elle a libéré Christine Koulim. J'ai dit, ah, pourquoi elle a libéré? Elle dit, ah, c'est plus fort que nous. Nous, on ne peut pas expliquer ça. Donc, il a libéré la fille comme ça. La fille, elle est là, elle est portée disparue, on ne la voit pas. Donc, moi aussi, je suis parti à Conakry pour qu'on va voir le gouvernement pour m'aider. Mais on a tout fait. On n'a pas eu la solution. Donc, je me suis retourné au village comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé là, c'est ça. Et je demande à l'aisance de bonne volonté de m'aider.